Salut les geeks, c'est Geek Tech Digital. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un produit indispensable pour la sécurité de votre maison, la Reblue Home Doorbell Camera. Cette caméra connectée promet une vidéo 2K ultra claire, des fonctions de détection de mouvement par IA, et tout ça sans abonnement. Alors, que vaut vraiment cette sonnette intelligente? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Let's go! Mais avant de commencer, si vous appréciez les reviews et contenus geek, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être avisé des prochaines vidéos. Alors, on commence tout de suite avec le déballage. Voici la boîte de la Reblue Home Doorbell Camera. Sobre et compacte, on y retrouve toutes les fonctionnalités principales sur la face avant. Allez, on l'ouvre. À l'intérieur, on a directement la caméra et première impression, elle est vraiment légère, mais on sent qu'elle est solide. Le design est assez minimaliste avec une lentille large qui promet un angle de vue de 160 degrés. On retrouve aussi le manuel, le câble de recharge et les accessoires de fixation. Pour l'installation, c'est super facile. Vous pouvez soit la fixer avec les vis fournies, soit utiliser l'adhésif double face pour ceux qui ne veulent pas percer. Ensuite, il suffit de la connecter à votre Wi-Fi via l'application Reblue Home disponible sur iOS et Android. En quelques minutes, vous êtes prêt à partir. Parlons maintenant des fonctionnalités principales. La caméra enregistre en 2K Ultra HD, donc la qualité vidéo est franchement impressionnante. Que ce soit de jour ou de nuit, grâce à sa vision nocturne, vous voyez clairement ce qui se passe devant votre porte. Une des forces de cette caméra, c'est son système de détection de mouvement basé sur l'intelligence artificielle. Elle est capable de distinguer les vrais mouvements significatifs, comme une personne ou un véhicule, des mouvements mineurs, genre le vent, ou des animaux. Ça évite d'être bombardé d'alertes inutiles. Regardez ici sur l'application, vous pouvez ajuster la sensibilité et même créer des zones de détection personnalisées. En mode nuit, la Reblue Home active sa vision infrarouge pour capturer des vidéos claires, même dans l'obscurité totale. Comme vous pouvez le voir ici, les détails restent visibles, ce qui est essentiel pour la surveillance nocturne. Autre fonctionnalité très pratique, l'audio bidirectionnel. Vous pouvez non seulement voir qui est devant chez vous, mais aussi parler directement à la personne grâce au microphone intégré. Que ce soit pour des livreurs ou des invités, c'est super pratique. Et la cerise sur le gâteau, la Reblue Home propose un mode changement de voix. Si vous êtes seul à la maison, ou si vous ne voulez pas que la personne reconnaisse votre voix, vous pouvez utiliser cette option pour la modifier. Un des gros plus de la Reblue Home Doorbell Camera, c'est qu'elle ne nécessite pas d'abonnement. Contrairement à d'autres marques, tout est stocké localement sur la carte SD ou vous pouvez même utiliser votre propre stockage cloud via l'application. Ça fait économiser de l'argent et vous restez maître de vos données. Pour ceux qui sont fans de maisons connectées, cette caméra est compatible avec Amazon Alexa. Vous pouvez demander à Alexa de vous montrer qui est à la porte, directement depuis vos appareils Echo Show ou Fire TV. C'est parfait pour intégrer dans un écosystème domotique déjà en place. Alors, après avoir testé la Reblue Home Doorbell Camera pendant plusieurs jours, voilà mon verdict. C'est un excellent produit pour renforcer la sécurité de votre maison à un prix très abordable. Elle fait très bien le job avec sa qualité vidéo en 2K, la détection de mouvements intelligente et surtout le fait qu'il n'y a pas besoin de payer d'abonnement mensuel. Le design est aussi discret et facile à installer. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez plus de détails, laissez un commentaire juste en dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour plus de contenu geek et de reviews, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Il ne me reste que de vous donner rendez-vous sur une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt sur Geek Tech.